Quelle heure, mais j'y arrive. Bon, tu es là, je te prends comme tu veux. Voilà. Donc je laisse la parole à Marie-Claude Sauger, qui est un peu stressée ce soir. Je le sens. Mais on va vous décontracter, Marie-Claude. Directrice des services de la commune de Courville, qui va nous retracer l'année administrativement. Attendez, Marie-Claude, il faut que je règle le micro. Parce que... Madame le député, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller général et président de la communauté de communes, monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames, messieurs. Traditionnellement et pour moi, avec l'arrivée de la réforme le 17 décembre 2010 des collectivités territoriales, dont la loi a été promulguée, l'importance de la commune comme cellule de base de toute la vie sociale n'a guère besoin d'être démontrée, et chacun ressent instinctivement combien est fort l'attachement à sa ville, mais cette entité propre n'est plus vraie de nos jours, puisque depuis la création des intercommunalités, celles-ci prennent de plus en plus de compétences et les grosses infrastructures sont désormais réalisées à l'échelle des communautés de communes ou d'agglomérations. Ces structures vont d'ailleurs être imposées au niveau de l'État. Le ministre chargé des collectivités territoriales, Philippe Richer, a indiqué dernièrement que l'intercommunalité serait le premier de ces chantiers. Dans ce projet de loi, l'élection des conseillers territoriaux est définie, mais la révision du tableau de répartition entre conseillers généraux n'est pas encore effective. Pour les élections municipales, le seuil de scrutin de liste à partir duquel s'appliquera le fléchage des candidats vers les conseillers communautaires n'est pas arrêté. La barre des 3500 habitants serait abaissée à 500 ou 1000 habitants. Le sujet sera tranché en session parlementaire. Par rapport au statut, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Georges Tron, a comme objectif de prévenir la reproduction de contrats successifs et propose de renforcer le recours au CDI. Mais ce CDI écorne le statut et l'Association des maires de France, quant à elle, s'oppose à l'introduction d'un statut allégé. Pour les collectivités, les nouvelles technologies sont appliquées. À Courville, la dématérialisation des actes administratifs est effective. Contrôle de légalité pour les délibérations et arrêtés du maire. Marché public. Transmission de toutes les pièces comptables. En collaboration avec Madame Huguenin, trésorière de Courville, une réflexion est en cours pour la mise en place de paiements par prélèvement pour le restaurant scolaire, pour une gestion plus rigoureuse et plus facile des recettes liées à ce service. J'adresse maintenant à l'ensemble du personnel communal ici présent, à chaque service qui œuvre pour satisfaire à l'attente des élus et aux besoins des Courvillois, mes remerciements pour le travail qu'il accomplit journellement. Chacun contribue dans sa propre tâche au bon fonctionnement de la ville. Le service le plus exposé aux critiques est celui des services techniques. Mais cette année, je pense que l'on peut le féliciter, car pendant la période neigeuse, l'efficacité était au rendez-vous, d'autant que la responsabilité est assurée actuellement par M. Gorin, adjoint du responsable des services techniques, lequel a demandé sa mutation dans l'Isère en novembre dernier. Le recrutement de son successeur est en cours, et celui-ci devrait prendre son poste d'ici quelques semaines. Félicitations également à M. Fèvre, brigadier-chef de police municipale, qui a assuré la mise en place de la zone bleue en centre-ville. Il était en première ligne pour subir les reproches des personnes verbalisées, alors qu'il ne fait qu'appliquer la loi. Cette mesure est d'ailleurs appréciée par les commerçants. Nous accueillons ce soir Élodie Destouches, dernièrement recrutée dans le cadre des contrats aidés pour la bibliothèque communale où les Courvillois ont déjà pu mesurer son dynamisme et son investissement lors des samedis précédant Noël pour les animations qu'elle a assurées. Félicitations également à Jordi Bigot, directeur de l'école de musique, pour l'initiative qu'il a eue de mettre en place un projet d'orchestre d'harmonie à l'école primaire.
Les enseignants y ont été favorables et les enfants s'épanouissent dans ce nouveau projet. L'école de musique ne peut que bénéficier des retombées de cette action. Ce n'est pas sans émotion que je remercie ce soir toutes les personnes pour leur collaboration et les conseils que j'ai obtenus d'eux, tant dans le secteur public que privé. Maître Sierpise, notaire, Maître Pacou, huissier de justice, Monsieur Herman, géomètre, nos sociétés délégataires des services publics eau et assainissement, Monsieur Lemierre et Guillou, Monsieur Deltroit, directeur général de la communauté de communes, Madame Huguenard, receveur municipal, Madame Gauthier, directrice de la Poste, les assistantes sociales, les infirmières PMI, ainsi que pour les excellents rapports que j'ai toujours entretenus avec les directeurs des établissements du collège, non des établissements scolaires, par contre, Monsieur Poupon, principal du collège, Madame Desmaisons, directrice de l'école maternelle, Monsieur Selin, directeur de l'école primaire, Madame Fleury, directrice de l'école Sainte-Marie, les établissements de retraite, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Je rends hommage aux quatre maires successifs et l'ensemble des conseillers municipaux pour la confiance qui m'a toujours été témoignée par rapport à mon travail durant mes 32 années à Courville. Madame le député, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller général président de la communauté de communes, monsieur le maire, mesdames les adjoints et conseillers municipaux, mesdames, messieurs, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et prospérité pour vous et vos familles pour 2011. Et ça fait quelques années qu'elle est là. Oui, oui, mais elle a connu plusieurs maires et toujours fidèle. Madame le député, monsieur le sénateur, Joël Billard, c'est un vieux copain, alors donc je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Un vieux, parce qu'on est moins jeune maintenant, Joël. Et, tiens, Joël, excuse-moi, tu as gardé Anthony, donc voilà l'artiste Gauthier, le troisième que tu peux peut-être garder un de ces jours, je ne sais pas. Monsieur le conseiller général, maire de Chouine et conseiller général et président de la communauté des communes, je ne sais plus tes titres, je m'excuse. Jackie, monsieur le capitaine de la gendarmerie de Lucé, madame la lieutenante de la gendarmerie de Courville, madame la directrice des services, mesdames et messieurs, madame et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et chers amis. Je suis très heureux, comme chaque année, de vous accueillir dans notre salle Panard pour célébrer ensemble la venue de cette nouvelle année. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Excusez-moi. La magie de Noël et des fêtes de fin d'année a opéré sur notre commune. Elle s'est parée pour l'occasion de ses plus belles lumières et de ses plus beaux décors. Je me réjouis car vous êtes aussi, voire plus nombreux, à nous rejoindre chaque année pour ce traditionnel rendez-vous. Comme toujours, nous marquons un temps d'arrêt pour revenir sur le passé et regarder ce que nous avons accompli et ce que nous avons vécu. Ce fut une année riche. Malgré la crise, notre commune a toujours investi avec une dose de prudence. Nous avons réalisé l'aménagement de la routière avec le rond-point des canaux. La mise en conformité de la station d'épuration, la mise en place de la zone bleue, donc je félicite M. Fèvre pour son action, la réfection de diverses rues, donc là c'est fait les travaux, l'installation du parcours de santé le long des bords de l'Eure, il est peut-être méconnu de ce décor, il faudra qu'on fasse peut-être une action en sa faveur de cet aménagement. L'aménagement et l'installation d'une nouvelle aire de jeu au Square Albeston. Cette année, nous allons refaire une autre installation qui viendra compléter. Le début des travaux de la ZAC de l'éolienne avec la communauté des communes. Le début de la construction des salles d'association caritatives et des 23 logements rue Jules Ferry. Il y aura possibilité d'acheter des maisons, mais il y aura beaucoup de locations faites par l'habitat aurélien.
C'est en cours, les travaux continuent. Jean-Claude Hay a été voir, a fait la réunion de chantier, les travaux reprennent. Nous avons la réfection totale d'un court de tennis. Bon, la couverture, c'est pas pour tout de suite, l'or, vous m'excuserez. Hein. Le changement du mobilier et du restaurant scolaire, l'installation de panneaux anti-bruit, et dernièrement, comme monsieur Dolléco nous l'a marqué dans la presse, la démolition du mur de la rue d'Alsace, un mur qui penchait. Donc les travaux pourront reprendre un de ces jours. Alors dans un autre registre, il y a eu un événement assez rare à Courville. En effet, un petit Balthazar est né à Courville, le 27 décembre, sur le parking du Super U. Et au nom de tous, c'est quand même assez rare, il faut reconnaître. La dame n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la maternité de Chartres. Donc le parking a servi de maternité. Le papa était en communication téléphonique avec le SMUR et tout s'est bien passé. Nous lui souhaitons à ce petit Balthazar une très belle vie et nous présentons tous nos voeux de bonheur à ses parents. Donc nous avons fait un acte de naissance. Ça c'est très rare, je l'ai signé, je me suis appliqué. D'un point de vue festif et culturel, Courville a été rythmé par de multiples manifestations et spectacles, tels que le festival Corneau-Gidouille, diverses représentations théâtrales, la nuit des musées, des concerts, une soirée conte avec le collège, de nombreuses animations à la bibliothèque, des divertissements mis en place en décembre afin d'animer pendant les fêtes le centre-ville, et nous n'oublions pas les manifestations habituelles comme le bric-à-brac, le premier week-end de septembre, les journées médiévales qui suivent le troisième week-end de septembre, le Téléthon le premier week-end de décembre, c'est des grosses manifestations, hein, ainsi que tous les événements ponctués par, et proposés par les associations. J'en profite pour saluer et remercier très vivement les bénévoles qui ont toujours autant d'énergie et je voudrais souligner leur courage et leur générosité. Vous êtes le moteur de notre commune et je souhaite à tous les présidents, membres de bureau, aux bénévoles, une année 2011, pleine d'échanges et de richesses humaines. Ces prochains mois, pour revenir dans le concret, les travaux de la rue d'Alsace vont redémarrer, précisément, si je me trompe, le 7 février. Il a dit oui. Après quand même 4 ans et demi d'interruption. Mais le procès n'est pas réglé non plus, ne vous inquiétez pas. Alors donc, on va dire un petit ouf de soulagement et enfin quand même. Bon. Il était temps, hein. Enfin. Ce même mois, nous allons réaménager entièrement la rue de la Croix-Badin. Ce n'est pas la même entreprise qui va le réaliser, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Il y a de la concurrence, c'est parfait. Demain, eh oui, demain soir, nous serons encore en réunion, pas la même, moins festive. Le conseil municipal se réunira et nous étudierons l'agrandissement et l'aménagement de notre salle Panard qui tient tant à cœur aux Courvillois. Nous devrions y réaliser une nouvelle cuisine. La place est de l'autre côté, avec de nombreux rangements et des sanitaires du côté droit, donc pour vous à gauche. Et donc nous ouvrirons sur la gauche, ou à droite, comme on veut, une baie vitrée et faire un jardin d'agrément pour aménager pour les réceptions. Donc c'est quand même un bon projet. Alors, nous ferons-nous l'aménagement du Saint-Clair dans un autre registre, l'extension de la bibliothèque, pas la même année, ça c'est sûr. Nous devrons définir des priorités, et je n'oublie pas que la restauration de l'église Saint-Pierre, pour laquelle le programme des travaux est déjà presque établi. Et bon, vous savez, comme nous, quand on attaque une vieille pierre, c'est très cher. Les subventions seront peut-être là, mais nous attendons. On comptera sur notre sénateur et notre député. Hop. Oh, l'église, mais pour l'église, non, c'est pas la peine. On sera peut-être déjà au maximum des subventions. Le projet de santé, dont la compétence est prise par la communauté de communes du pays courvillois et dans les rails. Mon président est là.
donc, qui est dans les rails, et un ensemble immobilier, dont une maison de santé pluridisciplinaire, devrait voir le jour à l'emplacement des locaux Chabot. Là, on a grosso modo, rue de la Gare, grosso modo 10 000 m2, plus les... Donc, il devrait y avoir... On peut faire quelque chose de bien. On peut réaliser. Pour tous ces investissements, Catherine, je l'entends, là, Catherine Taché, vous êtes Taché, le nerf de la guerre, c'est le financement. Voilà, le maître des finances. Donc, je souhaite que l'on puisse programmer d'ici notre fin de mandat sans augmenter sensiblement les impôts. Sensiblement, ça veut dire peut-être un petit peu, quand même. Il fallait le dire. Non. On fait surtout que les dotations, maintenant, ça me nuit, malheureusement. Voilà. En fin d'année, je pense que la salle des associations rue Jules Ferry sera achevée. Et je souhaite que les Restos du Cœur, la Main Tendue et le Secours Catholique prennent possession de ces locaux, tant attendus, afin de rendre service aux plus démunis dans des conditions d'accueil agréables et avec plus de confort. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus, ils sont répartis sur la commune, voire la commune d'à côté, de Pontgouin, et c'est des locaux un petit peu vétustes. Quant à la zone d'activité concertée de l'éolienne, vous avez vu, les travaux vont reprendre bientôt dès qu'il fera un petit peu plus sec, je pense. La première tranche devrait être terminée avant l'été et les entreprises, les commerces et les particuliers pourront acquérir les terrains. Certains sont déjà réservés. Donc il y a 21 lots pour les particuliers, il y a déjà quelques réservations fermes. Et sur la zone d'activité, il y a une réservation ferme aussi. On vous communiquera les noms sur un prochain Courville Info. Courville bouge et voit un nouveau quartier se lever. De nombreuses personnes ont choisi et choisiront de s'installer, d'installer leur famille dans notre commune et je leur souhaiterai la bienvenue. Nous espérons qu'elles pourront apprécier toutes les qualités de notre ville et la chaleur de ses habitants. Vous êtes aujourd'hui, je remarque. Avant de terminer ces vœux, je souhaite aux entreprises, commerces, artisans implantés sur notre commune qui sont associés à sa vie économique une année 2011 florissante, favorable à leur expansion. Je remercie tous les collègues de Marie-Claude Sauget, directrice des services, donc tous les services administratifs, les femmes de ménage, nos employés communaux, des services techniques, plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'ils ont fait un travail extraordinaire, je dirais quand même extraordinaire, parce que vous les avez vus la journée sortir avec la déneigeuse, avec les pelles, la petite déneigeuse moto, le petit truc là, dont on ne servait pas souvent. Mais ils sont passés aussi la nuit, bon, avec Jean-Claude, bien sûr, qui les suivait, et qui montrait le chemin aussi du camion. Ils ont fait de gros efforts, et je rappelle que le déneigement aussi... incombe, le déneigement des trottoirs incombe aux propriétaires et locataires des habitations. Nous l'avons marqué dans Courville Info et je pense que il y a eu quelque chose. La mayonnaise commence à prendre, c'est bien. Non mais c'est utile, c'est vrai qu'il y a des gens nos anciens avaient du mal à marcher. Donc c'est vrai que quand les trottoirs sont déneigés, c'est quand même plus facile pour eux. Cette cérémonie des vœux ne peut s'achever sans que nous ayons un petit pansement, un pincement, on va faire un pansement aussi mais bientôt, un pincement au cœur. En effet, Marie-Claude, je l'appelle comme ça, hein, c'est notre DGS, mais bon, c'est Marie-Claude, nous a redonné dans le courant de l'année. On n'a pas décidé ni le mois, ni l'heure, ni le... Mais bon, c'est cette année. C'est l'heure de la retraite. Je sais que vous ne saurez pas sans vous arrêter un petit moment à la mairie pour prendre la température, Marie-Claude. Nous aurons du mal à remplacer une telle expérience, une telle compétence des dossiers de la vie communale. Vous n'êtes pas indispensable, Marie-Claude, mais vous nous manquerez. Je suis sûr que vous lui demandez un dossier, 5 minutes après, vous l'avez, même s'il a 30 ans. Hein. Soyez certaine que tous ceux qui ont travaillé avec vous ont apprécié vos compétences, votre disponibilité, votre humeur toujours égale, du moins avec moi.
Marie-Claude, la commune de Courville vous remercie pour toutes ces années passées, une bonne trentaine, je crois 32, au service de tous et surtout des maires successifs, seulement 4. Merci, et puis on peut l'applaudir, mais je reprends après. C'est une belle carrière quand même, hein, faut connaître. Notre commune va être aussi orpheline de nos deux directeurs d'école la même année. Ça m'embête un pied là, Jean-Marc Solin, directeur du Chemin Vert. Et je vais dire madame et monsieur Fleury, parce que ça ferait même presque trois, parce qu'il a été aussi directeur, monsieur Fleury, de l'école Sainte-Marie vont faire valoir leur droit à la retraite, comme on dit dans l'administration. Comme Marie-Claude. Courville vous remercie très vivement pour votre dévouement tant que professionnel que privé, parce qu'ils ont des activités privées, et ça fonctionne bien en plus, l'harmonie, enfin plein de choses. Et juste, j'ai eu une info ce matin, c'est Catherine qui veut la rappeler, une info de dernière minute vient de m'être communiquée, je lis hein, ce que j'ai marqué. Depuis samedi dernier, un écrivain public est à votre disposition, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais c'est surtout pour les démarches administratives. Alors celui-ci reçoit tous les samedis, les deuxièmes samedis du mois, à la mairie, et si possible entre 10h et 12h, c'est Gilles Cochin en plus qui nous prête sa main. Donc si vous faites le savoir, c'est quand même très intéressant. Et pour conclure, très simplement, hein, je vous souhaite à tous et toutes hein, une excellente année et surtout une très bonne santé. Je ne sais pas si les bouteilles sont prêtes, mais je vais vous inviter à vous approcher des buffets qui sont préparés par la table des canaux, restaurant sur Courville, les traiteurs. Bonne soirée à tous et on se retrouve bien sûr pour un moment plus festif. Là, je commence à transpirer un petit peu, bien sûr, comme d'habitude. Joël, tu veux dire un mot puisque tu es là? Non, il n'est pas là pour ça. Alors, je te remercie, Joël, de ta présence. Je sais que tu es attendu à Villiers, le Morier, à 7h30, c'est ça hein hein. D'accord, il sera à l'heure comme chez nous. Quoi. Merci. Merci, Joël. Merci, Laure. Merci, Jackie, d'être parmi nous. Et je vous souhaite une bonne soirée et restez parmi nous pour ce petit moment festif. Merci. Ah, oui. Une chose qu'on attendait depuis... Allez.